Vous savez ce qui me fait le plus marrer dans la vie? C'est quand les gens autour de vous croient tout savoir. Quand ils croient détenir la vérité absolue avec un léger sourire hautain, alors qu'ils passent totalement à côté de la plaque de tellement de choses qu'ils ignorent et qu'ils préféreraient sûrement ignorer pour leur confort mental. Je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, loin de là, car personne ne la détient universellement, d'un certain point de vue. Une grande partie de ce monde et de son histoire est uniquement constituée d'hypothèses et de théories qui pourraient expliquer l'inexplicable, issues d'événements spécifiques, de phénomènes, de croyances en tout genre et j'en passe. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est qu'il reste bien du chemin à faire à l'humanité pour se comprendre elle-même, elle et son histoire. Laissez-moi donc vous donner mon point de vue, puisque tout ce qu'il nous reste sont les questions de point de vue, pour tenter de se rapprocher de la vérité. Mon point de vue, ma vision et mes théories qui constituent une relecture parmi tant d'autres d'une histoire obscure. Celle de la vie d'un grand artiste, sûrement le plus grand interprète du XXe siècle et le plus célèbre, avec pourtant une vie des plus sombres et tristes. Je vous présente Michael Jackson. Michael Jackson, que je n'ai à vrai dire plus besoin de présenter, ce serait assez ridicule de vous dire qui il est. Sauf si vous vivez dans un village reculé en Somalie, et encore je suis sûr que même les habitants de la Somalie ont saigné Thriller le jour de sa sortie. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà depuis pas mal de temps sur YouTube le savent déjà très bien, je suis fan de Michael Jackson. Parfois ça fait juste du bien de le dire, au lieu d'argumenter à gauche à droite pour dire quelque chose de tout simple. Il y a ceux qui ont déjà aimé au moins une seule fois dans leur vie un son de MJ, c'est-à-dire 100% de la population mondiale, et il y a ceux à qui l'enfance a été bercée par la magie de cet ovni de la musique. Je fais partie de la deuxième catégorie. Que ce soit sa voix, sa musicalité intemporelle et tellement unique, ses clips révolutionnaires, ses pas de danse iconiques, et j'en passe des choses que je pourrais dire sur ce mec, mais sa musique me fait ressentir ce qu'aucun artiste a pu me faire ressentir jusqu'ici. Et c'est fou de me dire que presque aucun de ses sons m'a déplu. Tout ce qu'il a sorti de 1979 à 2001, c'est de la frappe. Et j'irais même jusqu'à employer le terme indémodable, tellement il était en avance sur son temps, sa musique est si unique et si propre à lui. C'est du Michael Jackson quoi. Bien sûr, cette fascination et cette passion que j'avais et que j'ai toujours pour le roi de la pop m'a fait voir ailleurs que sa musique. En me penchant un peu plus en profondeur sur sa vie, vous me direz normal pour quelqu'un qui se prétend être fan. Mais c'est là que je me rendis compte que la vie de la star était remplie de péripéties et d'affaires médiatiques très complexes, avec toutes ces diffamations auxquelles il a dû faire face dans sa vie durant les années 90 jusqu'à l'année où il fut déclaré mort. Et je peux vous dire que beaucoup de coins d'ombre et de mystères irrésolus planent encore. Entre ses innombrables accusations d'abus sexuels sur mineurs, son blanchissement de la peau, les dernières années de sa vie, le déroulement plus que mystérieux de sa mort, personne, et je dis bien personne, n'a pu jusqu'à maintenant dire ce qui s'est véritablement passé, avec des éléments concrets. Ma passion sans faille et ma curiosité infinie ont été plus forts que moi, et je me mis à m'engouffrer littéralement dans les abysses d'internet au fil des années de mon adolescence pour tenter de savoir la vérité, en faisant des recherches jusqu'à pas d'heure, en regardant des documentaires retraçant la vie de la star, et en lisant toutes sortes d'articles à son nom. L'artiste a-t-il vraiment abusé d'enfants? Est-ce que toutes ces accusations ne sont-elles pas en fait l'essence même d'une sombre conspiration? D'où vient son fameux vitiligo qui dépigmenta une grande partie de sa peau? Était-il menacé de mort avant qu'il disparaisse? Est-il même toujours en vie? Bien qu'on ne peut pas véritablement découvrir le déroulement de la vie entière d'une personne via simplement une souris, un clavier et une analyse pertinente des choses, quand il s'agit d'une célébrité comme Michael Jackson, on peut tomber sur beaucoup de pistes non négligeables qui pourraient expliquer pas mal d'événements que le public laissa passer. Avec un esprit logique et rationnel qui ne se penche pas vers le déni ou le confort psychologique et en rassemblant les pièces du puzzle, j'en suis arrivé à une relecture complète des événements clés de la vie de Michael Jackson à en faire froid dans le dos. Et si je vous disais que toute la vérité à ces énigmes était en fait sous nos yeux depuis le début? Que vous soyez fan de la star ou non, restez. Restez pour cette série de 3 vidéos, car je vais vous révéler de sombres secrets, que Michael lui-même dissimula discrètement sans même que l'on s'en rende compte, directement sur ses pochettes d'albums.
Tout commence en 1990, alors que Michael Jackson venait de sortir du succès toujours aussi fulgurant de son troisième album studio signé chez Epic Records, Bad, sorti en 1987. Après avoir terminé sa tournée mondiale en janvier 1989, soit 123 concerts auxquels ont assisté plus de 4 millions de fans, Michael Jackson se met aussitôt à travailler sur son nouveau projet qui devait initialement s'appeler Decade, prévu pour être une sorte de compilation reprenant les titres les plus célèbres de ses 3 derniers albums en incluant des inédits. Cependant, ce projet fut annulé et il fut au final décidé de produire tout un album entier avec que des inédits. Un nouvel univers, de nouveaux thèmes et une nouvelle direction artistique à développer donc pour Michael Jackson. Mais vous le verrez, son inspiration n'a pas été des moindres, et le chanteur avait bien plus qu'une idée derrière la tête pour la conception de son nouvel album, dont il eut aussitôt le titre Dangerous. Pour cet album, Michael voulait quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire et intemporel dans la sonorité et le visuel. Mais comme vous l'aviez compris, dans cette vidéo, on va plus s'intéresser au visuel qu'à la musique, car avec Michael Jackson, l'un s'exprime autant que l'autre, il était important pour le chanteur, concernant notamment ses pochettes d'albums, de renoncer à une énième combinaison simpliste de portraits et de titres, comme il était fait avec ses précédents. Non, avec Dangerous, Michael a visé un cap beaucoup plus engagé et consciencieux que simplement une image de lui en costume. Le chanteur avait quelque chose à raconter, un message à faire passer. Il se met alors à contacter l'artiste surréaliste Mark Ryden pour lui demander de créer une image très détaillée, correspondant toujours à une sorte de portrait de lui-même, mais avec une esthétique allant davantage vers le symbolisme et le mystère, des éléments et des messages cachés libres à l'interprétation de chacun, propre au style artistique de Ryden. L'artiste a ensuite rencontré le roi de la pop dans un studio d'enregistrement, où il a pu écouter certaines de ses nouvelles musiques et parler de leurs idées. C'est là que MJ fait part de son idée du type d'image qu'il voudrait sur la couverture de son nouvel album, comme un cirque qui laisse place à un concentré d'ornements et d'éléments en tout genre, en rapport avec les passions et la vie de la star. Sous quelques idées venant de Michael, Ryden eut quand même le droit à une certaine liberté, et se mit aussitôt à ses crayons. Un premier croquis a été réalisé, où l'on y voit simplement un enfant avec le crâne d'une créature inconnue dans les bras qui a l'air préhistorique. Une dichotomie ici importante à souligner. Nous pouvons en effet apercevoir une opposition entre le passé, représenté par le crâne, et le futur, représenté par l'enfant, la jeunesse qui a tout l'avenir devant elle. Bien que ce premier croquis soit fort en symbole, il n'est qu'une pièce du puzzle, un simple bout de ce que Ryden et Michael voulaient réellement nous faire transmettre comme message. Un deuxième croquis a donc été réalisé, toujours en dessin, un peu plus riche en éléments et interprétations. Nous pouvons premièrement y voir ce qui semble être un humain, au physique hors norme puisqu'il possède 4 bras, avec le visage caché par une pancarte qui laisse seulement apparaître un œil. Dans ses 2 mains droites, nous pouvons voir qu'il porte ce qui semble être une petite fille avec un globe terrestre sur elle, et un tas de cartes dans l'autre main, avec dessiné dessus différents types d'armes à feu. Tandis que dans ses 2 mains gauches, il y porte une canne avec un pan dessus, et un anneau typique des cirques, avec une file d'animaux qui se jettent à l'intérieur. L'ensemble du premier plan est mis en valeur par l'arrière-plan montrant des flammes, avec dans l'ombre, les yeux de Michael Jackson, qui observe tout ce cirque. Un regard perçant, qui donne une aura presque mystique à ce second croquis. Cette forme humanoïde au premier plan est pour moi l'allégorie parfaite de l'élite mondiale, qui serait la cause de la décadence de notre société. Cette petite fille, qui nous renvoie au futur et à l'avenir comme vu précédemment avec l'enfant et le crâne animal, a un globe terrestre sur elle. Sauf qu'il y a un petit problème. Ce globe terrestre est mis à l'envers. Plus les années passent, plus les valeurs et les normes sociales se déforment, jusqu'à ce que les générations futures vivent dans un monde à l'envers, où le mal est bon et le bon est mal. Un monde où règne la guerre, comme nous le montrent les armes à feu sur les cartes, un monde où règne la destruction de la nature, comme nous le montre cette file animale qui se désintègre, finissant en squelette après avoir traversé l'anneau, un monde artificiel et contre nature, qui vise au changement de l'environnement comme nous le montre cet atome, un monde où règne l'individualisme et l'emprisonnement de l'individu, comme montré par ce rat enfermé dans une cage. Nous sommes tous vus par l'élite mondiale comme des rats enfermés dans une matrice, et cette élite mondiale fait de notre dépendance sociale une victoire, une couronne. Cette même élite mondiale est symbolisée par l'œil omniscient, connu du symbole triangulaire de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les Illuminati. Sans rentrer dans les détails et les origines historiques, les Illuminati seraient aujourd'hui théoriquement une élite constituée de personnalités publiques et d'hommes politiques qui gouvernerait et manipulerait le monde par les médias, la politique, l'histoire et même l'industrie de la musique. Cette gouvernance s'associe à un projet de domination mondiale pour arriver à des fins diaboliques, où un nouvel ordre s'établira, un ordre où règne la décadence, la guerre, le contrôle total de la masse, la destruction de la nature et le chaos. Comme montré avec les flammes en arrière-plan, nous rappelant que ce nouvel ordre mondial sera diabolique et que ses fins seront de nous envoyer tous en enfer. Cet œil pourrait simplement être un œil comme les autres, qui illustre autre chose que les Illuminati. Maintenant, dites-moi,
À quoi vous pensez quand un œil est mis en lien direct avec le renversement du monde, le contrôle de l'individu, la guerre, la destruction de l'environnement et de la nature? Rien n'est positif sur ce dessin, et tout nous renvoie symboliquement à la théorie du complot des Illuminati. Les yeux de Michael, quant à eux, nous invitent à justement ouvrir les yeux sur toute cette mascarade, en quelque sorte, sortir de la matrice. Et ce croquis de Raiden est la dystopie parfaite de notre monde. Un monde des plus dangereux. Évidemment, ce dessin fait par Mark Raiden sous les commandes de Michael Jackson est libre à l'interprétation de chacun, ce qui est un art propre aux œuvres de Raiden. Mais mon interprétation est celle qui s'accorde le plus à ce prototype de la cover de Dangerous selon moi, sans déni ou refus de voir les choses en face. Et cet œil omniscient, que j'associe personnellement aux élites mondiales, est omniprésent dans les travaux de Raiden, et est toujours montré d'un aspect dystopique, comme pour le prototype suivant, sur lequel nous pouvons clairement identifier une délimitation de deux parties distinctes. Une partie où règne la nature vivante, la féerie et la joie de vivre, et une deuxième partie où la nature est remplacée par toute une zone industrielle, polluant la nature et tuant les animaux à petit feu. Et l'œil omniscient est toujours caché quelque part, justement sur la partie où règne la destruction, comme si elle en était la cause. De plus ici, l'œil est inscrit sur un espèce de tuyau, lui-même relié à ce qui semble être un humain, couvrant une partie de son visage, comme pour montrer que l'œil omniscient est partout, participant au formatage et au contrôle de nous tous. Et si vous doutez encore de l'interprétation de cet œil omniscient comme étant l'illustration de l'élite mondiale visant à la destruction et la domination du monde, regardez attentivement cette autre cover de Mark Raiden, réalisée non pas pour Michael Jackson, mais cette fois-ci pour l'album d'air sympathétique Majesties Request d'artistes divers, sorti en 1998. Nous pouvons clairement distinguer la présence de l'œil omniscient sous son jour le plus explicite, puisqu'il est représenté par une pyramide qui correspond à ce qu'on peut lier au système pyramidal franc-maçonnique dans lequel le peuple est tout en bas, et les Illuminati, l'élite mondiale, le triangle, tout en haut. Cette même pyramide est d'ailleurs présentée sur le billet d'un dollar. Cet œil, en haut de la pyramide, est interprété par certains comme étant Dieu, mais pour d'autres, notamment pour Raiden, il est clair qu'il ne s'agit pas du tout de cela, et que cet œil symbolise comment est-ce que les Illuminati ont l'œil sur tout, en contrôlant le monde et en le menant à sa destruction pour le dominer à leur avantage. Le symbole de l'œil pourrait aussi faire référence à l'Antéchrist, qui dans plusieurs écrits religieux apparaîtra durant la fin des temps, avec le visage borgne au moment où le monde sera à l'apogée de sa décadence et de son renversement. L'œil peut alors être pris comme un symbole ésotérique propre à l'initiative commune des Illuminés à justement renverser le monde et sa société. Une initiative jugée sataniste dans le sens figuré comme littéral du terme, dans le sens où les Illuminati s'associeraient vraiment avec des démons pour leur projet de domination mondiale. Une croyance illustrée par la présence du diable en personne qui nous fait un joli clin d'œil. Vous l'avez compris, le dieu de l'élite mondiale n'est ni plus ni moins que le diable. Il est maintenant clair que quand Raiden illustre un œil, il ne s'agit pas juste d'un œil, mais bien de celui du diable, périphrase, pour désigner l'élite mondiale qui nous contrôle au quotidien au fur et à mesure que notre société avance vers sa décadence. Tout ce processus de mélange d'idées entre celles de Mark Raiden et de Michael Jackson, tous ces croquis, ces dessins et prototypes, ont mené au chef-d'œuvre qu'est la version finale et définitive de la cover de l'album Dangerous, sorti en 1991. Et tous les éléments symboliques et ésotériques des dessins précédents y sont présents. Les grands yeux perçants de Michael, le globe terrestre mis à l'envers, le décor industriel qui tue la vie et la nature, les armes à feu de l'homme qui sèment le chaos autour de lui, l'enfant avec le crâne animal et bien évidemment toujours la présence de l'œil omniscient, cette fois-ci en forme triangulaire et en rouge vif. Comme pour nous rappeler le sommet pyramidal des Illuminati avec le symbole triangulaire et le lien qui se fait avec le satanisme si l'on prend en compte la couleur rouge du symbole. Le rouge, souvent attribué aux créatures démoniaques. Il est important de prendre en compte chaque élément, car avec Raiden, chaque détail est important. En comparatif avec les prototypes réalisés, de nouveaux éléments à notifier sont présents sur la cover. Je ne vais pas tout énoncer car cela nous prendrait littéralement 3 heures vu tout ce qui est présent sur ce que j'estime comme être un véritable tableau, mais nous pouvons principalement délimiter les parties de la cover en 3. Sur la première partie de gauche, nous pouvons y voir l'entrée d'une sorte de train fantôme ou de labyrinthe de la terreur. Dans chacun des wagons, des animaux y sont faisant tous référence à des éléments précis de la vie de Michael Jackson, comme le singe qui nous fait rappeler celui de Michael, Bubbles, ou bien le rat faisant référence à un des premiers singles de la star quand il était encore enfant, intitulé Ben. Cet ensemble d'animaux peut aussi simplement nous faire rappeler la nature vivante, comme c'était le cas sur les prototypes précédents. La sortie du tunnel, quant à elle, est bien différente de l'entrée. Ici, les animaux sont devenus squelettiques, comme dans le deuxième dessin de Raiden, et la présence de l'œil omniscient nous rappelle une fois de plus la cause de cette destruction. Les élites mondiales veulent s'emparer du monde en le détruisant,
Si l'on se penche davantage sur la sortie du tunnel, nous pouvons apercevoir Michael, enfant, dans un costume d'adulte installé dans un de ses wagons. L'image d'une personne transportée par un wagon est un symbole connu du contrôle qui est fait sur un individu. En mettant logiquement en lien Michael et l'œil omniscient, nous pouvons interpréter cette partie de la cover de cette manière. Depuis son enfance, Michael Jackson se fait contrôler par un groupe de personnes mal intentionnées au sein même de l'industrie de la musique. Il a été privé de son enfance, devenant très tôt un adulte dû à l'environnement dont il a baigné, ce qui explique le costume d'adulte. Ce contrôle est malsain et diabolique et a mené Michael Jackson à sa destruction, à l'image des animaux squelettes autour de lui. Les deux parties de la cover, droite et gauche, sont toutes les deux dominées par une satire politique d'un des plus hauts gouvernants que le monde ait connu. Nous avons par exemple une référence au tableau d'Ingres, Napoléon Ier sur le trône impérial, de 1806. C'est une représentation de Napoléon Bonaparte ayant été le premier empereur de France. Le tableau d'Ingres a été détourné pour donner à Napoléon une tête de chien. Michael a voulu ici nous montrer que ceux qui ont actuellement le pouvoir sur le monde sont ni plus ni moins que de vrais chiens, des bêtes qui se prennent pour des dieux. God, Dog. Nous avons de l'autre côté une inspiration à des éléments de deux œuvres juxtaposées entre elles, une sorte de mélange de la reine Elisabeth I et de la reine Elisabeth II. Beaucoup de détails semblent être tirés du portrait de 1592 de la reine Elisabeth I par Marcus Gerhardt. D'autres détails, comme la couronne, le sceptre et le globe d'or, sont quant à eux inspirés par une photographie de 1953 du couronnement de la reine Elisabeth II par Cecil Beaton. La tête de la reine est cette fois-ci remplacée par celle d'un oiseau martin pêcheur. Je n'ai pas réussi à trouver d'interprétation logique à cela, mais regardez attentivement les engrenages mécaniques qu'il y a à l'intérieur de sa robe. Nous pouvons voir comme son intestin grêle, relié à une bulle qui contient littéralement des êtres humains à l'intérieur. Cette image nous rappelle celle du rat enfermé dans sa cage dans les premiers croquis de Raiden. Ici, le cas est similaire, dans le sens où les hauts placés du monde se nourrissent des ressources du peuple, enfermés dans une bulle, ni plus ni moins que la matrice. D'ailleurs, la structure de la cover correspond parfaitement à ce que peut ressembler l'illustration typique d'un temple maçonnique. Temple maçonnique que nous retrouvons d'ailleurs caché sur le trône impérial de Napoléon Bonaparte. Les Illuminati sont la branche élitiste de la franc-maçonnerie, correspondant à son 33e degré. Et l'omniprésence constante de figures démoniaques au sein de cette pochette d'album, comme vous pouvez le voir, nous rappelle aussi le satanisme qui plane dans ces institutions élitistes, et même au sein de l'industrie de la musique dont Michael Jackson y dénonce les rites occultes. Selon les différentes interprétations que nous pouvons faire, Michael avait donc une certaine appartenance à la franc-maçonnerie. Et avec cette pochette d'album, le chanteur a voulu faire passer un message subliminal, destiné directement aux élites mondiales qui le contrôlaient jusqu'ici. Cette cover est une libération, et Michael se délivre de cette appartenance sataniste qui le rongeait depuis son enfance, dont il n'avait pas le contrôle. Il renonce à son appartenance à la franc-maçonnerie. Il le fait comprendre discrètement à travers cette pochette d'album, car s'il ose le crier haut et fort, il se fait tuer aussitôt, comme il s'est d'ailleurs passé pour d'innombrables personnalités publiques durant les années 90. Cette délivrance s'est faite aussi sous une autre forme à côté de cette cover, notamment dans la partie censurée du clip Black or White du même album, où nous le voyons métamorphosé en panthère noire, référence au mouvement antiraciste de la communauté noire Black Panthers. Seul, dans les rues lugubres d'un ghetto, on le voit danser sans musique, en renvoyant des symboles ésotériques cachés dans ses pas de danse, comme en faisant le signe des cornes du diable inversées avec sa main, ou encore en cassant les vitres d'une voiture avec inscrit dessus le 666. Nous le voyons également avec une poubelle briser la vitre d'une porte avec écrit dessus KKK, qui nous renvoie directement à cette société secrète terroriste et suprémaciste blanche, Ku Klux Klan. Nous le voyons se purifier spirituellement, se féliciter et s'agenouiller devant Dieu dans de l'eau bénite pour se libérer de son appartenance diabolique à la franc-maçonnerie. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si cette partie de Black or White nommée Panther Dance est une séquence entière sans musique. La présence de musique gâcherait le rituel de libération de Michael, car ceci aurait renvoyé à toute l'industrie de la musique que Michael dénonce comme étant sale et sataniste. Mais avec sa pochette d'album et son clip, Michael est désormais libéré de tout cela et peut enfin rejoindre de nouveaux horizons près de Dieu. Sauf que ce renoncement à la franc-maçonnerie est un chemin risqué qu'il a emprunté pour la suite des événements de sa vie. Un chemin dangereux en vue des connaissances dangereuses qu'il a discrètement divulguées publiquement. Son image sera entachée à jamais. Il le sait que les Illuminati prendraient un jour ou l'autre leur revanche. Un fidèle qui renonce à la franc-maçonnerie et s'en libère en dénonçant et en révélant au monde ses secrets sous n'importe quelle manière est jugé comme un traître. Un traître à éliminer dont le public devra s'en souvenir comme le pire des monstres.
There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. Le chanteur détenait des cahiers et des disques durs entiers d'images d'actes pédophiles, d'enfants parfois torturés et d'images d'actes sexuels pervers avec des sacrifices d'animaux. If you saw what they did to my arms, now I can't move. It keeps me from sleeping at night. I can't sleep at night. Du porno et des bonbons. Voilà ce qu'il proposait. Voici ce que la fille de Michael Jackson, Paris, a posté sur Twitter entre 2012 et 2013. Elle a posté en photo sur Instagram trois dessins qu'elle a fait. Le premier montre un hexagramme avec l'œil omniscient et un couteau ensanglanté, avec un triple 6 dans une flaque de sang. Le deuxième dessin montre le symbole de l'ordre de l'étoile de l'Est, l'équivalent de la franc-maçonnerie. Et le troisième représente le symbole même de la franc-maçonnerie. Y a pas plus explicite. Après la réaction des internautes, plus qu'inquiet pour elle, surtout qu'elle venait de sortir de l'hôpital après avoir fait une tentative de suicide, Paris Jackson écrit sur Twitter: les dessins que j'ai faits sur Instagram ne veulent pas dire qu'ils m'ont eu. J'essaye juste de faire en sorte que le monde ouvre les yeux et vous montrer ce qui se passe en ce moment. Des millions de personnes écoutent de la musique et se souviennent des paroles, mais ils arrivent difficilement à comprendre ce que tout ça veut dire. Une société secrète n'est pas vraiment secrète si vous savez ce que vous cherchez. Donc n'attendez pas que les infos vous arrivent. Prenez le temps de les trouver vous-même.